Nous avons l'occasion d'aborder différentes problématiques de l'urologie et nous avons articulé nos activités sur plusieurs plans, en particulier sur une partie pratique qui a commencé aujourd'hui et qui va consister en des ateliers pratiques avec de la chirurgie. Et ainsi, nous avons eu enregistré la participation de conférenciers et de praticiens étrangers qui sont venus pour opérer avec nous. Donc, pour les journées d'aujourd'hui et de demain, au niveau de l'hôpital général Idriss Apuy, il y a des étrangers, des chirurgiens étrangers, des urologues étrangers qui sont là pour opérer des patients qui ont des problèmes de lithiase. Au niveau de l'hôpital principal de Dakar, il y a également des praticiens qui sont venus de l'étranger et qui vont avec nous opérer des patients qui ont des problèmes de cancer de la prostate. Il est prévu également qu'au niveau de l'hôpital Le Dantec, qu'il y ait également des activités chirurgicales, en particulier pour la prise en charge de l'incontinence urinaire chez la femme. Donc, vous voyez qu'il y a donc cet aspect pratique que nous avons voulu aborder. Donc, atelier pratique, ils viennent opérer, mais les étudiants qui sont là présents profitent donc de leur expertise. Il y a également un volet théorique, avec un programme scientifique qui est extrêmement dense, et qui commence cette activité, cette conférence avec ses exposés et ses communications commenceront le jeudi et se poursuivront le vendredi au niveau de l'hôtel Ngor Diarama. Et à cette occasion, nous allons enregistrer la participation d'au moins une dizaine de pays différents, plusieurs pays de la sous-région, mais également des participants qui viennent du Cameroun, qui viennent du Maroc, qui viennent de la Tunisie et au niveau de la sous-région du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée, du Togo, du Congo. Et donc nous avons tout un panel et nous allons pouvoir aborder différents sujets qui tiennent principalement, qui ont trait principalement à la lithiase urinaire, au cancer, mais également à d'autres problématiques comme l'infertilité. Vous savez que c'est un problème, l'infertilité, mais également les problèmes de continence urinaire, des problèmes les différents problèmes vraiment extrêmement larges, et ce qui va nous permettre de nous mettre un peu au diapason de ce qui se fait actuellement au niveau mondial.